Et nous y revoilà. Alors, nous y revoilà, mais je me souviens déjà même plus de ce qu'on avait accompli. Ah, alors on a une créature niveau 1 dans notre groupe. Tout à fait, je vois très bien cette créature à travers l'écran noir. Oh, c'est pas vrai, pas encore. Oh. Ah là, il y a un sérieux problème. Enfin mince. On va quand même pas commencer toutes nos vidéos avec un écran noir. Ça y est, c'est bon. Oh. Ah non, là, l'émulateur, si c'est l'émulateur, ne fait pas plaisir. Donc, nous disions créature, machin truc. Oui, ce qui frappait, c'était cette créature niveau 1 dans notre inventaire. Enfin, dans notre groupe. Donc, récemment arrivé, équipé de Tichous, déjà évolué au moins une fois, enfin, il fusionnait au moins une fois. Donc, nous avons la dernière, enfin l'amulette de la dernière épreuve de l'arène. Bien. Très bien. Alors, on va faire un petit tour d'horizon hein, que je me remémore. Ça fait si peu de temps, mais déjà beaucoup trop pour moi. Coptis. Comment ça, Coptis? D'accord. Déjà, on a un objet à déposer dans la banque. Ici, on nous propose un Tamatotch, on s'en fiche. Un Ogre Karrasch, on s'en fiche. Un Aldrakish, on s'en fiche. Bon. Et bien, au niveau des jobs, mis à part s'il y a 2-3 jobs intéressants ou des objets de stats, on ne va pas accomplir grand-chose. Fort heureusement, il reste encore assez de place pour poser l'objet. C'est parfait. Bien. Notre groupe constitué de tout ça, avec mon caster qui ne va pas tarder à monter niveau 1. Petit arrêt à la Room of Life pour regarder les attaques disponibles. Alors. I want to look. Donc, les Seed Beasts. Du feu, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a ceci? Ah, gna gna. Très bien. Si notre fée vient à monter niveau 20, nous pouvons lui mettre l'attaque magique de feu de rang A. Il y a un rang S après? Non. Ah, donc c'est la meilleure attaque, quoi. Il y a des aptitudes de rang S, mais ça en fait pas partie. Alors, nous avons accès à tous les au palier 4 de 3 forêts, mais la terre a été délaissée. Je pense que c'est le moment de rectifier cette injustice. Ouais, on va le mettre à niveau, Ouais. cet élément. Donc. Forêt de la Terre peuplée de bestioles résistantes, deux groupies et deux Space Girls en colère et un peu angoissées. Et surtout de joyaux disposés ça et là. Après, l'argent non plus, on n'en a plus vraiment besoin. Il me semble qu'on a acheté le dernier backpack. Toute façon, oui, parce que j'ai cru voir qu'on avait 30 objets. 30 espaces, donc oui, c'est bon, on peut plus l'augmenter davantage. Mais bon, c'est jamais un tort d'avoir d'argent. Alors là, la Spice Girl la plus agressive du groupe qui me provoque en duel. Ça va encore être extraordinaire. Non.
Oh mais c'est criminel de se balader avec des bestioles par. Bon après, palier 3. On a affronté plus terrible que ça. Dans les paliers 3, mais bon. Alors je n'ai pas du tout vu de régène de points de magie avec Selanis. L'autre adversaire n'est pas bien intéressant de toute manière. À mon avis, on va pas récupérer grand chose. No way. Well, if I have to say, no matter how well she races divine beasts, that a good swordsmith never blames the user if a sword doesn't cut. That's what my dad used to say. That's a challenge to the genius beast hunter. Mm-hmm. Donc elle se prétend être la meilleure Beast Hunter de son groupe. Et pour elle, leur leader est totalement nul à chier quand il s'agit de combattre. Très doué pour avoir des bestioles extrêmement puissantes. Bon, pour le reste, à la ramasse, paraît-il. Bon, à sa place, j'éviterai de la ramener vu qu'on l'a déglinguée en deux frames. Mais bon. Terrain déjà exploré, zone relativement calme, si on exclut Shoko, la meilleure Beast Hunter du groupe des Spice Girls, encore une fois, je doute. Ah voilà, un calma.
Pas le plus beau plus, ni le plus utile, mais bon. Alors si je ne m'abuse, ça c'est un Kalma qui augmente sa défense. Il n'aura pas eu le temps de le faire. Quoique un buff de défense vaut quand même un petit peu mieux que les barrières. C'est vrai qu'on pense. Oui, parce que la barrière, un coup, elle est pétée. Imagine, tu fais ta barrière et t'as trois ennemis en face. Le premier, il te casse ta barrière et les deux d'après, ils te mettent des claques et voilà. Alors que tu augmentes ta défense, bah, tu prendras un petit peu de dégâts, mais ce sera quand même amoindri. Sans compter que rien ne garantit que la barrière soit défoncée du premier coup. Après tout, le génie n'est pas forcément ma patate. Jusqu'à maintenant, on a vu qu'elles se cassaient en un coup, les barrières. Non, tout dépend des dégâts. D'accord. J'ai affronté des ennemis, même sauvages, je crois, qui avaient de bonnes barrières. Et mes créatures ne pouvaient les défoncer qu'en deux coups. Donc sachant qu'en plus, les créatures que j'affronte sont généralement moins puissantes que moi. Généralement, on a toujours des surprises. Oh, bonjour. I shall test you for the power to fight Kalma. Come, take me. I don't know what you're saying, but... Good. Come at... Bon bah... Cassage de tronche à nouveau. Come on. Watch carefully. Ah, un petit peu plus valeureux et puissant que ce qu'on vient d'affronter. Allez hop. La région du milieu est ouverte. Isou, allez du balai. So strong. The warrior I hoped for. This is proof of defeat. Well. D'accord, jusqu'ici on n'avait jamais vaincu le Beast Hunter de la famille des Leif. Très bien. À notre approche, ça fuit. Thank you.
La pièce. Après, c'est tout à fait logique que ça existe, mais j'avais totalement oublié que ce sort existait, tout simplement. Par contre, heureusement que je m'apprête pas à affronter du Corias, parce que le Tichlous de ma nouvelle créature, stat oblige, est misérable. Ouais, il redonne pas beaucoup de MP. Ouais, moins d'une trentaine. C'est pas comme si je m'étais habitué à recevoir 40 MP à chaque fois, mais tout de même. Hein. Oh, t'augmentes peut-être bien l'attaque, toi. Ou pas. Ah bah tiens, c'est ce qu'on a affronté tout à l'heure. Ok. Il y a du chemin à parcourir pour atteindre la princesse Vine. Ah, alors lui, soit il s'est trompé dans sa fuite, soit il avait sérieusement envie de nous casser la tronche. Hop là, squelette! Avec ça, au moins, notre nouvelle créature sera en mesure de résister à la puissance du boss. Sait-on jamais. Peut-être suffisamment balèze pour cibler très précisément cette créature-là au moment où je lancerai un soin. La mort est vite arrivée. Après, je garde toujours l'espoir de récupérer des objets de stats, mais... Mais bon... Ça se fait rare.
do you want? Care to fight? Ah. Of course. Will you? Fine. Here go. Un beast hunter de créatures de type Gara. Come on. Here. The pride of the Gara family. Watch it carefully. Je préférais qu'ils se dispersent pas, mais bon. What do you think you're trying to do? C'est bon, c'est misérable. Oui, on risque vraiment rien. Est-ce que mes créatures sont si puissantes que ça, ou est-ce que les siennes sont beaucoup trop orientées défense pour avoir une attaque valable? Allez, du balai. You did well. Excellent. In commemoration of your... Collect them. I'm looking forward to... D'accord, lui aussi, j'en avais... Encore jamais affronté jusque-là. Bon, je vois pas du tout ce que ça peut avoir de génial dans le scénar. Mais soit. Bien. On a l'Akisport, on a pas tout exploré donc. Où c'était que ça mène ça? Ici. Là il y a une plante à soin. Oh là là. Bon. A priori c'est bon, on a tout exploré cette fois-ci. Et je l'avais pas vu celui-là. Alors, troisième zone. J'aurais peut-être dû profiter du fait que j'étais derrière lui pour lancer une attaque surprise. Qu'importe.
cover. Bon, je sais pas ce que c'est que cover, mais ça a pas l'air bien utile. Ça c'est gratuit comme d'hab. Et donc ça, si je ne m'abuse, c'est l'attaque magique de terre. Probablement du rang B. Et du coup tu vas en prendre un arbuste comme ça non. Dans ton amulette. Enfin, tout du moins, pas dans l'immédiat. Est-ce que t'as déjà utilisé ce que tu veux mettre en pure terre ? Je me pose encore la question. Parce que le problème, c'est qu'on ne pourra pas mettre toutes les familles. Hein. De créatures sur mon amulette. Ouais, c'est sûr. Est-ce que sur la situation, je pourrais pas également me permettre, voire même me retrouver forcé, de déplacer mon hauteur en pure terre. Et ce même si je n'ai que cette créature. Ah, parce que si je dois mettre une attaque de terre à cette créature là, si je veux utiliser cette capacité en combat, fatalement je vais devoir me mettre en formation de la terre. Et si je le fais dans la situation actuelle, je m'expose forcément à une grosse patate dans ma tronche. J'aimerais éviter ça. Autant que possible. Merci pour l'insulte. Froggy, donc qui possède probablement la compétence cover, dont on n'a toujours pas réussi à déterminer la nature. Voilà. Évolution de mon crabe. En homard. Ouais, enfin tout du moins, évolution de ma créature qui ne ressemblait à rien en homard. Homard, crabe, en tout cas ça dépense. C'est tout ce qu'il y a à retenir.
On a la princesse Vine. On a un vendeur. Au vu de la situation, ça va être intéressant puisqu'on a des gemmes à revendre. Et on ne va pas se fatiguer à les garder. Surtout si nous trouvons des jobs qui nous demandent des gemmes. Là, on sait où aller pour les récupérer. On a accès. Thank you. Hop là. Princesse Vine à gauche. Et autre chose à droite. Hey, you're a Gaara fan. What kind of spells can the... Let's see. There's a spell that creates a wall in front of... It blocks attacks. So it's really... Sounds like it'll really... Gaara divine beasts have the image of... There's a spell for... Wow, that's... But they are vulnerable to poison. Voilà. Donc là, on nous dit les Gaara n'ont pas forcément des stats de ouf, même s'ils ont une bonne défense. Voilà. Mais ils ont des barrières pour se protéger. Ils ont des sorts qui permettent de se buffer pour pallier à leurs éventuelles faiblesses. Donc, s'ils ne sont pas très équilibrés de base, ils ont des compétences pour rectifier le tir. Mais leur problème, c'est leur faiblesse aux altérations de statut. Ne vend pas du rêve. Hein. Ah. À mon sens, c'est une famille de créatures qui est typiquement là pour prendre des coups. Bon, l'étage du boss. L'étage du boss. Alors, quelle créature est-ce qu'on va apercevoir ? Ah. Bon bah on va avoir l'occasion de découvrir ce qu'il augmente. Et il augmente. Ah bah il pose une Varidia. Donc là c'est un machin semi-balèze. Il faut plus qu'une barrière semi-balèze pour stopper mes créatures. Alors par contre, est-ce que la puissance des barrières augmente avec, avec la puissance de son lanceur? Je me demande. Thank you.
mettons-nous bien autant que possible, tout du moins, avant le boss. Même s'il y a une menue chance pour qu'il ne dure pas bien longtemps, soyons prudents. Sir, do you know about evolved? Of course. Evolved forms are the divine beasts, created when normal Evolved divine beasts, huh? Well, let me just say that the secret lie... That's all? You just don't know. How rude. Okay. Let me say this. Once you find out how to make an making an evolved form quickly will make it even On nous dit, dès que tu peux faire en sorte que tes créatures évoluent, fais-les évoluer au plus vite. Ouais bah, c'est pas comme si c'était automatique, hein. Effectivement. Après, je crois qu'il voulait, il sous-entendait qu'il faut trouver les créatures qui sont les plus compatibles avec les nôtres pendant les fusions. Mais bon, ça on s'en fiche un peu. Quelle classe! Un gros champignon. Un gros champote. Bon. Alors. Baridia. Il possède ça. Oula, save up. Ça veut dire qu'il va balancer une grosse patate. Ah! Et sa barrière résiste à un coup. Oh mon dieu! Pas grand chose, mais à ce train-là, je prends. Alors, est-ce que j'ai fait une bévue ou pas? Oh, si vous pouvez déglinguer le gagner. Allez-y les gars, pas de pitié.
Bon, bah, il était un petit peu dangereux quand même. Ouais, mais ça passe. Et voilà. Mince, il est déjà. C'est là. Et bien voilà, le troisième palier de la forêt de la Terre est classé. On retourne un petit coup au temple. Ça nous soignera. On se débarrassera de quelques objets de notre inventaire. On regardera s'il y a un job intéressant. Bien que j'en doute un peu. Deux herbes de calabasse hein. Contre 5 Biter Mugwarts. Et bien pourquoi pas. Donc ça il me semble qu'ils en vendent ici. Oh c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et ouais, forcément. Pendant le court laps de temps où cette quête sera disponible, il ne sera plus possible d'acheter de Biter Mugwort. C'est. C'est bien joué. Eh ben, très bien. J'accepte de jouer le jeu. J'accepte cette quête. Et on va voir si on trouve des Biter Mugwarts au cours de nos balades. Enfin, Biter, je sais plus exactement comment ça se prononce. En tout cas, il nous les faut. Eh bien, je propose de continuer Barnhearth. On va continuer sur notre lancée. Et peut-être même affronter le boss du quatrième palier de la Terre. How's it going? What? Hey, you. Okay. Go! Don't pull any. Come attack me from it. Donc je lui dis, salut. Comment vas-tu? Est-ce que t'as réussi à trouver des calmas? Non, c'est toi qui es un calma. Je t'affronte. Sacrément inspiré pour les dialogues, hein, les mecs. Bon,
En plus, me faire affronter un Beast Hunter qui n'a que 5 bestioles. Hein. C'est pratiquement du farm sur un plateau. La créature se renforce, tout ça pour me louper au final. Et voilà. Dégage. I have lost. Effectivement, les points d'expérience ne sont pas les mêmes. Take this. If you have collected that many, then I'll... But aren't you the one who needs bandages? Shut up. Farewell. Un 10 carache. Eh bien, quelle coïncidence, c'est précisément ce que nous avons. C'est notre petit crab. Alors lequel est... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la défense ça ou l'attaque? Ou encore totalement autre chose? On n'aura pas eu l'occasion de le vérifier, mais c'est pas grave. Oh mince, la Room of Life. Comme on n'a plus besoin ni d'argent, ni de réputation, j'ai totalement oublié de déposer les calmas précédents. Oui, c'est vrai que maintenant la réputation, hormis pour faire certains jobs, on n'a plus besoin. Et encore. J'ai pas l'impression qu'il y ait de jobs qui nous soient particulièrement inaccessibles pour cause de réputation... manquante. Hein. Alors, par contre, la forêt immense. Alors la princesse Vaina ici. Ah, il nous en fallait 5, nous en avons déjà 1. Non. Tu veux défendre ton œuf? Fais donc. Je m'en fiche.
Il y avait rien là-bas. Si. Bien sûr que si. Et de deux. Mais elle est immense cette forêt. Plus ça vient, plus c'est vaste. Ah non mais là... à quel degré? Very enthusiastic. That's it. Let's do it. Yep. She's incredibly lacking in it. D'accord. Go! Don't pull it! Okay. Here goes. Voilà, donc... c'est au tour de la troisième Space Girl de me défier. Rien de bien dangereux, on a réussi à massacrer tout ce qu'il y avait en face ou presque. On peut y aller pépère. Blast. Les gants ont l'air d'être fixes. I guess that's it. D'accord, effectivement, niveau enthousiasme, un petit peu neurasthénique. I lost. Wonder if the Sweet Knights will be disbanded. Huh?
won't disband your relationship with the other. I don't really know exactly what I'm rooting for you, so, Good luck, huh? I used to always, always ask people to cheer for us. The one who was cheering in the sweet nights might have been me. I might have wanted to cheer the other members. Oh no, she's playing the wounded heart game again. J'ai pas compris, alors je l'ai vaincu, elle fait un peu la tronche mais tout va bien, et bonne chance, démerde-toi. Il y a beaucoup trop de grevines totalement vides dans cette forêt. Voilà. Donc tout ça là, hein, les 150 000 ogrevines, ce labyrinthe, c'était la toute première zone du quatrième palier. Oh là. Bah ça annonce... Ça annonce rien de bon pour les suivants, ça va être long. Bon après, c'est pas si gênant que ça, mais bon. Oui. À dire que plus c'est long, plus il y a de grandes chances qu'on se massacre 400-500 bestioles sur le chemin. Donc, plein de combats, mais tout de même aussi de l'expérience. Ah! Kakona! You are the last act. Lou's here, and you're disbanded. Will you be able to handle Calhoun, who has already gotten through the other three? I can't do it. Ah, Calhoun. Wanna battle? What? Sorry, I can't fight. You're lucky day, Calhoun. If she won't fight, you win by default. What's wrong? Hey, if I lose here, the Sweet Knights will be disbanded, right? That is too much responsibility for me. I can't fight. I'm the leader. I can't lose. You don't have to worry about that. Just because you're the leader doesn't mean you need to feel so responsible. That's right. They made you the leader just because you're the oldest, right? They're just saying that. They don't really expect anything of Kakona. Yeah. Oh, Nico, that's going too far. Kakona, I fought all the other... Let's battle again sometime! Jocko seemed to really enjoy fighting. The one who was cheering on the sweet nights might have been... me. Cinnamon may act like that, but she really likes you guys. Vanilla likes rivets and slimies, too. Vanilla, well, I don't quite get her, but she's... Everyone worked hard. Everyone. Well, it'd be easier for me if I don't have to fight you. If you want to battle me, just get in my way anytime. What is it with this guy? All full of himself. Calhoun? Voilà, donc le leader des Space Girls qui est pas bien. Elle est dans le bad. Si jamais elle perd, c'est la dissolution de son groupe. Tout ça sera de sa faute. Elle se fera vilipender sur Twitter. Bref, c'est la crise. Et donc, bah, mon personnage l'encourage en lui disant tout va bien. Ce sera pas ta faute. Te sens pas responsable. Un petit tour d'horizon pour rappeler les motivations de chacune des Space Girls qu'on a combattues jusqu'ici. Et puis
et puis bah plus sous le bus. Je souffre. Vacherie. Oh, patate. 190. Oh, ça se fait pas, ça. Tiens. Je t'en foutrais, moi, des patates. Hein. Ah. Ah, c'est encore pire. Baf, 220. Oh, putain. Eh bien, si nous avions... une créature offensive sur la formation de la Terre, c'est probablement ce genre de choses que nous lui mettrions. Du coup, est-ce qu'on aurait trouvé l'élu ? Non. Non, non, non. Nous avons juste manifesté notre intérêt pour une attaque physique de la Terre. Contrairement à ce que nous le pensions et souhaitions, Selamnis ne régénère pas les points de magie, mais c'est tout de même une régénération bienvenue. Là, les patates des monstres et des ennemis commencent à devenir vraiment difficiles à gérer. Ouais, c'est vrai. Débarrassez-moi de ça. Mais t'as Mugwort. Mais qui a envie de ça à cet endroit, franchement? Ah oui, alors salade tomate-oignon. On a l'ennemi qui balance des grosses patates et l'ennemi qui met des barrières. Qui augmente la défense.
Will you fight with us in the Holy War? Yeah, you bring that up so... He who is not an ally is an enemy. May your bones be bleached in the forest. Quoi? Oh. Come on! Watch carefully. Oh mon dieu! C'est pas très sympa de vouloir foutre tes os dans la forêt. Ou par contre, c'est un autre niveau, lui. Hein. Hop là. Maîtriser déjà une bestiole, c'est un début. Mais voilà. Il me demandait si j'étais un allié dans la guerre sainte contre les Kalma. Et parce que mon perso n'a pas plus de 5 neurones actives, il a pas répondu assez vite. Et comme son interlocuteur n'avait pas davantage de neurones actives, il a dit eh bien, si tu n'es pas notre allié, tu es notre ennemi, hein, que tes os soient blanchis par la forêt. Sauf que bon, c'est pas moi qui vais faire le saumon sur le sol d'ici peu de temps. Hein. Allez, blanc. T'as un truc à dire? Quoi? Un homme mort égoïste? Mais il est violent ce Beast Hunter. So strong. Beautiful. I want you to be our ally after. Allies and enemies are not like that. Please take this. You collected them well. Well then. Alors, vu que je suis balèze et que je vais casser la tronche, c'est vrai, ouais, finalement, ce serait pas mal que tu sois notre pote. Comment dire? Touche ton cul. Yeah.
Mais arrêtez d'attaquer sans arrêt des créatures différentes. Bande de débiles. Et notre homme crabe qui est niveau max. Il est temps de le faire fusionner. Ouais. Eh bien, nous allons entrer. Et mais avis que cette fois-ci, nous aurons le temps d'arriver au dernier palier avant de devoir entrer. Enfin, d'arriver à la dernière zone, donc d'affronter le boss de la Terre. Et c'est très bien qu'on ait le temps de faire évoluer notre homme crabe. Parce que bon, on n'est pas à l'abri d'une violence. Alors, cover, augmente la défense et peut couvrir un allié. Très bien. Ulvilena, d'accord, on connaît. Barrière protège tous les alliés. Ok. Ramakia, c'est bon, on connaît aussi. La pièce, ouais. Life Blast. Augmente l'attaque en fonction du nombre de points de vie. Ah bah, je comprends maintenant pourquoi il était balèze. Les choux, généralement, c'est des sacs à PV. Earth Protect. Boost la défense et contre-attaque. Ok. Très bien, et bah, il y avait du Whistler dans le groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va te mettre, toi ? Fine compatibility. Le problème, c'est que j'aurais pu Tichous, hein, et là, ça deviendra chiant. Ah, je ne sais que mettre. Ah, il y a malheureusement pas grand-chose d'intéressant, tout sort confondu. Tant pis, on va mettre Ramakia. J'ai l'impression que c'est vraiment par dépit que tu mets ça. Oui. La compétence est bien, mais d'un niveau un peu trop intermédiaire. C'est en terre, c'est ça? De quoi? C'est compétence de terre. Oui, oui, je viens de lui mettre une compétence de terre. Ouais, mais bon, après, peut-être qu'on va trouver mieux. Espérons-le, d'ailleurs. Oui, 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 il y a mieux. Hein. Là, je lui ai mis Ramakia, alors que il y a en compétence de rang A le Ramakit, qui est la version améliorée. J'aurais préféré avoir la version améliorée, c'est tout. Mais nous ne l'avons pas encore trouvé. Après, bon, le passif en lui-même n'est pas trop dégueulasse. Augmente l'esprit de 10%, ça tombe bien, c'est sa stat. De toute façon, la formation de la Terre, c'est pas pour aujourd'hui qu'on va la mettre en avant. En effet.
Après, à la fois le passif est utile à la créature, et bon, c'est un sort de défense. Si jamais on affrontait quelque chose de vraiment chaud, alors on se permettra de sacrifier un bouclier pour pouvoir balancer ce sort et protéger notre équipe. Ce sera pas grand chose, mais ça peut nous dépanner. C'est ça, balade-toi. Fous-moi la paix. Oh, très bien. Hélas, il y a des monstres qui restent obstinément en plein milieu du chemin. Je n'ai pas abandonné l'idée et l'espoir de récupérer les mugwortes, même si pour l'instant la forêt a pas l'air pressée de nous aider. Oh, l'arbre bien vénère. Le beau chêne centenaire. Bon, ça, c'est typiquement le genre de bestiole qui va nous balancer un Ulvilude. Ou pas, il préfère nous mettre un coup de branche. Très bien. Bien, puisque tu as décidé de ton sort, meurs.
Bien, la première zone, hein, c'est examiné, c'est torché. À la deuxième. J'ai eu l'impression qu'il y avait un peu moins de monstres. Est-ce que la forêt s'est rappelée qu'on a été obligé de se débattre avec tout ce qui bougeait? On n'a pas spécialement envie de le refaire. J'échappe à un serpent pour tomber sur un autre serpent. Bah voilà. Ça c'est bien, ça c'est rapide. Alors. C'est dommage. Oh, j'ai presque envie. J'ai presque envie d'acheter un God Ebook. Allez hop. Thank you. Voilà. Si jamais je tombe sur un autre affrontement un petit peu chaud, au moins j'ai un bouquin de puissance. Oh non. J'avais presque envie de laisser cet œuf sur place. Mais bon. J'ai massacré la petite famille pour m'en emparer. Ne soyons pas trop amers. Donc là-bas, j'ai tout exploré. À la suite. Normalement, j'ai la Keysport. Oh, cactus. Voilà. C'est lui qui possède la capacité de défense que j'aurais aimé mettre sur ma créature.
S'il n'y a pas de coup critique, ça va durer un petit moment. Bon, même avec les coups critiques, ça va durer un petit moment. Ouais, il est solide. Ah bah, sa compétence fait le tour. Hein. Ah, voilà. Et là, et là. Ah, bah, la princesse Van est juste là. Bon. Le public retient son souffle. Dernière zone avant le boss. Nouvelle ligne de dialogue. Too bad. Dommage. Mais dommage pourquoi? Donc ce machin, c'est l'évolution des serpents. Les serpents deviennent des scorpions. Oh oui, on va s'en débarrasser de celui-là. Et vite. Très vite. Il y a des serpents partout. Donc tu l'as feinté. Ah, too bad, à nouveau. Ah, celui-là par contre je me souviens très bien de ce qu'il va faire. Si je m'abuse, c'est le Kelma qui apprend le Libaridia. Il n'aura pas eu le temps de le faire. Bah tant mieux. Oui, entre nous ça me va parfaitement. Bon là lui par contre je pourrais pas le feinter non plus. Il
Yep, tout ça pour ça. Ça devient long pour monter en XP là. Oui. Oh non, foutez-moi la paix avec ces créatures. Oula. Pour chasser par l'homme crabe. Et juste devant, il y a un serpent. Oh là 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 là. Ah, très bien. J'avais peur que mes créatures ne commettent une erreur, mais du tout. Juste un plan alternatif. Did you come to catch leaves? No. I see. They have good defense and are good at magic. Stability itself is a wonderful... What's wrong? Bon, un mec qui a l'air d'être un petit peu dans le gaz me parle des leaves qui ont une bonne défense et une bonne stat de magie. Créature relativement stable, paraît-il, et me fait un objet de stats. Comme la plupart des Beast Hunters qui me filent des objets de stats dans ce genre de conditions, il va pas très bien. Hey, you've come. So you No. What? You making fun of Gaara? I'll ignore that comment. Gaara divine beasts are... because they are tough! And they're the unsung heroes for... Anyway, today I'm feeling good. My body is warm up! Oh no, maybe the forest air is... seems to depend on the person, but staying too long in the... Gaara's are good. Tough! Tough! And... super... Voilà, un autre frappadingue qui me parle des Gaara, qui me file un objet de stats relatif à cette famille de créatures. Puis bah voilà. Combien de nids de créatures est-ce que j'ai encore trouvé? Oh! Je l'avais point vu celui-là. Bon,
Barian. Pourquoi j'ai fait ça? Donc il me faut deux attaques pour venir à bout de cette barrière. Et pourquoi je... Je fais la deuxième fois. Bon. Aïe. Je n'ai pas tout perdu. Au moins ça permet à mes autres créatures de récupérer un peu de points de magie, mais... Sur le long terme, si je continue d'oublier, enfin, de zapper trop vite, ça pourrait me faire chier et me mettre en danger. Les serpents sont plus rapides que mon équipe du vent. C'est quoi cette arnaque? Tout ça pour ça. Ok. Alors. Alors, on a encore les hommes crabes qui sont attaqués. Alors, si on passe par là, on atterrit là. Si on passe par là, on atterrit là. Ah, voilà. Et... Oh non, pas les... Il y a trop de serpents dans cette forêt. Thank you.
Bien. On se prépare comme il se doit parce que là ça va chier. En avant. Ah. Go, don't pull any punch. With everyone's help, I'll Vous êtes sérieux? Je m'attendais à un peu mieux quand même. Bon. Allez, c'était drôle. Rire. Ah, quand même des créatures de full evolved. Des créatures totalement évoluées avec des capacités de rang S. Mais où est-ce qu'elle a été chercher ça? Il y a déjà une en moins. Alors pour l'anecdote, j'adore cette musique. Allez, disparaît. Non. Ouais, ils étaient pas si effrayants que ça au total. Non.
last. Oh my, so you've lost. I lost. So we couldn't get the Earth Orb after? We're gonna be disbanded. But, Vanilla! We did get to see lots of dreams. Really? It's much more fun when a dream comes true. It's no good giving up and letting a dream remain a dream. You can say that because he managed to get that orb, but... We can still do it. No, really. Serious. Please. Yeah. Don't... Sorry. That's all. The sweet nights are but maybe we could add a new member and put together a new sweet night. Really? Hey. Serious, really? I'm so glad you went out while you still have fans. You know, like a blaze of glory. That's it. Exactly it. Donc, nous avons déglingué la dernière des Spice Girls qui ont été dissoutes pour être très probablement prochainement reformées avec un nouveau membre. Tout ça pour ça. Et on a fini complètement la forêt de la Terre. Exactement, nous avons récupéré l'orbe de la Terre. Il semble que vous avez réussi à obtenir le premier orbe. Il n'y a que 3 orbes left. Vous avez un long way to go. But I know you can do it. Levant, have you ever heard of the Sweet Night? Yes, the 4-member group from Kiki Knack Productions. You're a sly one, Levant. So who is it? Who's your favorite? Stop it, Nico! Vanilla, maybe? See? Are you sick? I never had that type of girl around me. Those were the days. Levant, you really are a slut. Et bon, apparemment, sa favorite parmi les Spice Girls à Levant, c'était Vanya. Celle qui dit n'importe quoi à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Des calmas qu'on a collectés, dont un ou deux dont on ne connaît pas les capacités vu qu'on les a déglingués avant même qu'ils ne fassent quoi que ce soit. Voyons voir. Alors, Ice Spirit, ça c'est bon, on a vu. Ulvilude, ça on l'a plus ou moins deviné. Ramakit, oh oui, ça on a eu le temps de le voir. Barian, et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Donc voilà, 1500 de réputation, pas utile, mais on les a. Alors, allons voir les jobs. Alors, nous avons le Let's Trade Item que l'on a accepté. Le Slimy qui nous... Oh my god. Eh bien ça veut dire qu'il va y avoir du farm. Farm en stream, évidemment, mais des extracts, il est hors de question que je passe à côté. Et ben, je pense qu'on a bien avancé. Ouais, bah, on a terminé pour le moment
l'arc de la Terre, parce que je me rappelle qu'il me semble qu'on est amené à y retourner, non? Oui. On ouais, sera voilà. amené à y retourner. Nous avons toujours accès à la forêt de la Terre de toute manière, me semble-t-il. Donc, y a pas de problème. Si on y a oublié des calmas, ou si on a besoin d'y récupérer des objets, tout ça, c'est encore accessible. Eh bien, nous allons nous arrêter ici. Ok. Et pour la prochaine, nous attaquerons n'importe laquelle des trois autres forêts. Pas de priorité. Allez, okay. Salut. Salut.